Wow, ça rame. Hello les gens, hello les gens. C'est Max et Mola et on se retrouve pour la suite de la soluce de Femme et Max. Je zozote, ni pourquoi, pas parce que. Salut. Ah c'est bien, maintenant on peut passer sans le mot de passe. J'adore, mais le chef de la sécu il est obligé de redire le mot de passe à chaque fois. Ah bon. Ah oui, l'excuse, des têtes d'ours, c'est vrai. Ah bah non, attends, d'abord il faut aller au truc. Je suis... Bon, ouais, c'est à cause des têtes d'ours, t'as vu, on a une tête de chien de lapin, donc tu reconnais tout de suite. Voilà. Ouais. C'est une erreur de oui. Allez, on va utiliser ça. Vite fait, bien fait, le manchot est emmanché. Allez. On a réussi. Voilà le sandwich à la viande. On devrait goûter pour être sûr. Par l'aptomaïne, non. Est-ce que cette machine vous a donné un lot? Elle doit être déréglée. Je vais la faire réviser. Côté positif, on a récupéré le véritable sandwich à la viande. Elle boucane votre sculpture. Je me demande comment on ne l'a pas senti depuis le centre-ville. Laissez-moi voir. Oui, c'est bien lui. Teddy Bear va être très content. Il a si faim? En général, oui. Bien joué, les gars. Suivez-moi dans l'arrière-salle. Il y a une petite cérémonie d'initiation. On va encore se faire tripoter les narines par des gars de la marine? Ferme ton claquoir XXL et suis-moi. J'adore. Sam, Max, vous avez fait ce qu'on avait demandé. Chapeau. Espionnage, nettoyage et intimidation. Vous êtes les bienvenus dans les rangs de l'Orso Nostra. Classe. Mon Ambroise se barre. Il y a une petite cérémonie avec les paniers à pique-nique traditionnels et quelques autres détails techniques. Après, Joey va vous expliquer deux ou trois choses. Mais d'abord, en signe de respect, je vais retirer mon masque. Et c'est tant mieux, parce qu'on étouffe là-dessous. Ça va mieux, qu'est-ce qu'on pisse comme eau là-dessous? Non, d'une carpe à la broche. Vous êtes une taupe. En fait, vous êtes la taupe con. Je veux dire, est-ce que le tapis est assorti aux tentures? Le mot de passe, idiot! Ces types sont des policiers freelance. Et visiblement, ils ne savaient pas encore que j'ai changé de camp. Il a raison, Max. On n'a pas encore découvert ça. Minute! J'ai pigé que la taupe a trahi, sans doute pour le pouvoir et la fortune qu'offre la mafia des jouets. Mais qu'est-il arrivé au Teddy Bear précédemment? Oh, Teddy Bears! D'après ce qu'on sait, le vrai Teddy Bear s'est étouffé avec un sandwich à la viande en 65. Ouais, bien vu! On court! Pas bête! Attrapez-les! Enfile à la voiture, petit! Fail un petit peu, mais bon. Mais bon. Allez, on va péter la gueule aux ours et on va défoncer la taupe à coups de pied de biche. Sam, je peux pas m'empêcher de remarquer qu'une bande de gangsters assoiffés de sang est sur notre talon. Bouffez ça, brigard. Ouais, j'ai remarqué. Le pire, c'est qu'ils ont ces nouveaux pneus increvables de chez Mort Auto. Non, d'une technologie moderne qui tourne affreusement mal. N'importe quoi. Normal, le nain, portait quoi? Rangez-vous! Ah non, j'oubliais que c'est nous qui sommes poursuivis. Vous êtes morts. Oh là là, ça me prend un bien fou de me dégourdir les pieds, moi. Un bien fou! Vous allez crever, traître. Dites, les gars, vous n'auriez pas vu mon grand box par hasard? La ferme. N'importe quoi. C'est même pas, c'est même pas drôle. Quoi? Quoi? Ce serait même pas drôle, mais punaise, ça nous serait utile! Mais con! Qu'est-ce que l'existence, sinon vide et froidure? La ferme! Hop! Ils y sont tous? Sauf un. Teddy Bear lui-même.
Allons régler son compte à cette petite crapule une bonne fois pour toutes. Bonne idée. Attention, petit. Aïe! Et il avait dit de faire attention, Max. Hey, le boss est parti. C'est notre chance de découvrir ce que prépare ce traître d'ours taupe. Tu sais, sans ses grommellements menaçants, il n'a pas l'air capable de préparer ne serait-ce que le petit déjeuner. Alors un plan machiavélique? Ouais, mais selon mon expérience, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière les portes où il est écrit « Défense d'entrée sous peine de mort douloureuse ». Ouais, c'est vrai. Il a plein de cartes là-dedans avec ce qui ressemble à des itinéraires de camions à travers tout le pays. Intéressant, mais ça ne veut sans doute rien dire. J'ai déjà été voir la porte numéro 1. N'importe quoi. Bon, allons voir Max. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? La porte de derrière est assez tentante. Ouais, ça va. Oui. Il y a plein de choses inintéressantes à voir là-dessus. Et la caméra qui manque, parce que Max l'avait bouffée. Apparemment, Teddy Bear cache le détail de ses opérations ailleurs. C'est bon pour les experts comptables, ce truc. Quand un gangster change de tête d'ours, il a le droit à un peu d'intimité. Note, les objets dans les miroirs peuvent ne pas être la réflexion d'une personne vivante ou morte. N'importe quoi. C'est quoi une tenue criminelle sans alcool accessible? C'est une tenue de criminelle sans alcool accessible. Défense d'entrée sous peine de mort douloureuse. Maintenant, il n'y a plus rien qui nous empêche d'y aller, Sam. Non. Allons-y, allons-y. Alors, on va arriver à une phase que j'aime bien. Il y a toute une usine de fabrication de nounours là derrière. Tu veux dire que la respectable activité de casino sert de paravent à l'univers sombre et interlope des fabriques de jouets? Ah, je suis scandalisé. Paravent? Vous êtes revenu? Incroyable! Mais n'approchez pas, hein. Je sais me servir de ça, hein. Je vais être honnête, c'est le revolver qui nous inquiète le plus. En effet, stupide de votre part. Car cet type nounours va faire de vous mes esclaves. Vous bosserez dans mon usine maintenant que vous m'avez débarrassé de mes ineptes serviteurs. Regardez! Regardez l'ours! Vous n'avez pas les paupières, lourdes? On devrait? Non, l'hypnose ne marche ni sur toi ni sur moi. Mais jouons le jeu tant qu'on n'a pas récupéré son arme. Je vous ai posé une question, esclave! Oui, maître. Envie de dormir? Pareil que lui. Vraiment? Ça me paraît un peu bizarre quand même. C'est peut-être moi. Oh, je sais. Il y a un test. Toi, le grand, tu le fais. Pardon, maître. Tu es ton ami. Je te l'ordonne. Ça me tue. Bon ben. Bah, ça marche pas. Faut que je recommence. Bon, on peut pas se barrer. Oui, maître. Allez, tue ton ami! Bah, ça marche. Oui. Allez. Bon. Alors. Ah, je peux en avoir besoin au casino. Enfin, non, là maintenant, t'en auras plus besoin. Je peux pas vraiment le tuer, n'est-ce pas? Bah, ça marche pas. Oui. J'adore trop cette phase-là. Bon, on peut pas parler à Max non plus. Oh, je veux juste tester, allez. Maintenant, on va faire semblant de le tuer. J'obéis. Bonne mère, restons la fin du petit Maxi. Oh, mort, ce voile qui s'assombrit. Ah, la douleur, la douleur! À deux jours de la retraite! Promets-moi d'enregistrer! Shérif, fais-moi peur! Allez pour moi! Promets-le! Ok, alors. Par le lance que l'ami le mort! Tandis que le héros ne meurt qu'une fois! Sauf si c'est un jeu vidéo, hein. Là le héros il meurt beaucoup aussi! Adieu, beau prince! Et que les drôles de dames chantent des louanges sur ta tombe!
bien, donc... Si. Froid. Pourquoi c'est froid. Ok, bon travail, esclave. J'ai failli te demander de le tuer une deuxième fois. Oui, maître. Bon, esclave, tu fais tourner l'usine pendant que je vais lire mon journal. Prépare les ours pour la livraison. Tu les emmèneras plus tard. Bien, bien. Voyons un peu ce que le trait acéré de Ted Roll nous réserve aujourd'hui. Max, ne bouge plus. Continue à faire le mort, je vais trouver un moyen de nous débarrasser de Teddy Bear et de son usine. Je ne t'entends pas, je suis mort. J'adore. Ça va, petit? Un matelas, ça serait pas de refus. Je sais que j'ai un système de protection dans mon chapeau, mais toi, comment tu résistes à l'hypnose? C'est un mystère, Sam. Ça doit provenir de mon intelligence supérieure. T'as une autre théorie? J'ai perdu tellement de coton-tige dans mes oreilles que je ne perçois plus les infrasons utilisés dans les suggestions hypnotiques. Difficile de dire laquelle est la moins probable. Ce serait bien si on pouvait utiliser ces hypnounours. Sam, tu ne recules devant rien. Pour toi, le monde n'est qu'une huître gluante et malodorante. Tu sais, Max, t'as raison. Qu'est-ce que je mangerais bien, des grosses bonnes huîtres gluantes? Ce serait bien si on pouvait utiliser ces hypnounours. Sam, tu ne recules devant rien. Ouais, merde, je répète les dialogues. Qu'est-ce que je devrais dire, à ton avis? Faire sauter Teddy Bear et t'envoyer sa machine à nounours. Et même toute son usine. Même mort, tu ne manques pas d'ambition, Max. Déjà, j'adore. Ne bouge pas, je m'y mets. Ah, au fait, je suis content que tu sois pas mort. Moi aussi. Si être mort, c'est seulement à moitié aussi ennuyeux que de faire semblant, je ne le serai jamais. N'importe quoi. C'est parfois tentant, mais je l'aime bien, ce petit bonhomme. Bon, on va pas le tuer. C'est bon, tu peux arrêter de tirer. C'est juste pour être sûr. C'est bon, tu peux arrêter de tirer. C'est juste pour être sûr. Oh là là, n'importe quoi. Allons utiliser le cadavre sur Max. Non, bah alors sur Harry. Ça fait quoi si j'essaye de donner de l'argent à Max? Non, je peux en avoir besoin au quasi. Et à lui? Non, je peux en avoir... Ok. Ok, voilà ce qu'il a dit. Ah, ce gars file de ses lasagnes. Quel personnage. Merci. J'adore. J'aime pas trop les comiques d'aujourd'hui. Ils sont pas très drôles. J'adore. N'importe quoi. N'y pense même pas. Oui, mais... J'adore. Y pense. Ok, c'est bon, ça fait pareil. Maître. Qu'y a-t-il, esclave hypnotisé? Un problème avec la machine? Non. Alors fiche-moi la paix. Sacré gadget. Insidieux. Abominable. Sacré. Insidieux. Ok, il dit la même chose pour tout, hein. Je crois que ce sont les gadgets vocaux de ces saletés d'ours hypnotiseurs. Ok. Allons-nous promener un peu. Vous brûlez. Quelqu'un a besoin d'un bon coup de vis? Ouais. Non, vous savez qu'il va falloir l'utiliser pour ça, mais on va pas le faire tout de suite. Pour en faire quelques autres options de réglage, je vais tester le tournevis sur Max. Ne bouge pas, petit. Ne fais pas ça, Sam. Je suis chatouilleux. Ah, ok. N'importe quoi.
Je crois pas qu'il soit mécanique. Que se passe-t-il, esclave ? Je crois pas qu'il soit mécanique. Vous allez donner tout votre argent à Teddy Bear. Oh, comme c'est mignon. Attends, ça fait quoi si j'essaye de rechoper déjà ? Ok, ouais, parce qu'il en a déjà un. C'est logique. Et si on le teste avec Max ? Vous allez donner tout votre argent à Teddy Bear. Max est immunisé à l'hypnose à cause de sa cervelle hors norme. Non mais j'adore quand même, il tente quand même. Tu te crois malin, hein, ratatin? Pardon, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez donner tout votre argent à Teddy Bear. Je donne tout mon argent à Teddy Bear. Zut. J'ai dû m'endormir un instant. Qu'est-ce que tu voulais, esclave? Non, rien. J'adore quand même, c'est n'importe quoi. Extincteur. Hey, c'est un faux extincteur. Max a failli boucher ce truc. Pourtant, il est pas si gros que ça. Il se passe pas grand chose. Mais en fait, je dois faire tourner quoi dans l'usine? C'est une bonne question. Bon, maintenant, on va l'utiliser sur le bandit manchot. Par contre, ils avaient raison. Finalement, ils l'ont fait réparer. La boîte vocale ne va pas là. C'est pourquoi j'ai testé avec lui. Je fais des trucs que j'ai jamais testé. Que se passe-t-il, esclave ? Rien. Vous brûlez. Là là là. Sam, il sait se faire discret. Alors, quand il si faut. Si je mets ce gyro truc chose dans ce arbitroïde. Minos modifié. Oh, comme c'est mignon. Oh, c'est mignon. Eh, c'est mignon, il brûle. Allez, une menace modifiée sur Max. Hey, regarde ce que j'ai fait. Sam, il faut que je fasse pipi. Désolé, laissez-moi le temps d'en finir avec ça. J'adore, il dit laissez-moi le temps d'en finir avec ça, alors que normalement c'est laisse-moi le temps vu qu'il parle pas. Je sais qu'elle est mariée maintenant, mais cette Cathy est super bonne. Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a encore, esclave? Je brûle! À l'aide! À l'aide! Je brûle! Je brûle! À l'aide! Je brûle! Je brûle! Les hypnotiques. Je me contenterai d'arrêter le méch. Attends. Les hypnodounours ne sont pas très utiles. Tu peux peut-être les modifier. Si tu le fais, arrange-toi pour qu'ils me préparent une couverture et une douzaine d'huîtres. Je crois que tu surestimes mes talents de bricoleur, petit. Je me contenterai d'un mouchoir et d'un escargot. Je me contenterai d'arrêter le méchant et ses plans diaboliques. Ah, oh, t'es d'un conventionnel. Qu'est-ce que je devrais dire, à ton avis? Faire sauter ta libère, et tant que tu... Même mort, tu ne manques pas... Ah, finalement, il l'a répété. Ouais. Et c'est... Bon. Donc là, faut activer le levier, mais je veux tester plein d'autres trucs. Ce serait peu chevaleresque. Pour l'instant, mon problème, c'est la machine. Voilà. Non, toujours pas. Ouais, teste le cafard. Mais c'est logique. N'importe quoi. Et l'épisode va bientôt se terminer, je vous le dis déjà. Il va être un peu plus court, mais...
pour ce qu'il a fait. Ok, voilà ce qu'il a dit. À l'aide ! Je brûle ! Je brûle ! Merci. N'importe quoi. À l'aide ! Je brûle ! Faudrait que quelqu'un ramasse ses cochonneries. Heureusement qu'il brûle pas vraiment. L'extincteur est faux. Ah, elle est finie sur cet épisode. Ça passe rien. J'ai brûlé. Bien joué, ça. Merci, petit. Je crois que la taupe n'est pas aussi mince que toi. Regarde donc. Un coup de main? Je ne sais pas si c'est drôle ou menaçant. Qui dit que l'un exclut l'autre? Dis donc, c'est quelle couleur qui indique qu'il ne faut pas prendre de bain? Elsie, cours! Ça, c'est ce que j'appelle un casse. Oui, on a cassé le trottoir, l'égout et même la table du buffet. J'imagine que c'est pour la table de buffet où ça te fait le plus mal, hein, Max? C'était la seule innocente de cette affaire. À part, bien sûr, les passants et leurs animaux. Ah, saisis-toi, petit. Le commissaire va peut-être nous offrir un bon restaurant quand il apprendra comment on a résolu cette affaire. Il a intérêt. Pour tout le mal que je me suis donné, je veux deux... Non, trois lémuriens engelés avec supplément de sel. Ici l'agent secret Chuckles. L'usine a été détruite. Je répète, l'usine a été détruite. Lancez le plan B. Mystère et boule de gomme. Bon bah j'espère que cet épisode vous a plu. On se voit prochainement pour du Deus Ex et ensuite du Sanctuary, et ensuite du Sam et Max, et ensuite du Deus Ex et ensuite du Deus Ex. Alors on a déjà fait la moitié du jeu. Bon, il faut toujours que j'aille chercher la solution pour Deus Ex parce que c'est bien beau de continuer Deus Ex. Faut que je sache ce que je dois faire, hein. Et je ne sais toujours pas. Moi je m'enseigne, il faut que je pense, parce que sinon je suis pas dans la merde. On parie combien que je vais oublier de me renseigner et que je vais me retrouver comme ça à me dire... Eh merde, j'avais déjà oublié un truc. Allez, je parie 20 000 euros. 20 000 euros. Je parie mon chat. Ouais, moi j'aime bien cet épisode. Même si mon préféré reste l'épisode 4. Rien que pour la conversation avec le président. Et puis après, il y a l'épisode 2 avec... Quand il joue dans la série. Oh là là. Je trouve qu'il a pas vraiment trop vieilli, hein, en jeu de 2007. Oui, bon, je sais. Je suis super vieux. Moi, j'ai fait quand même Resident Evil 1 de 87. Bon. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Oui, ça fait que 20 minutes. Et en attendant, faites plein de bisous à vos animaux. Ils le méritent.